Bonjour à tous, euh, merci, je suis heureux de, de vous accueillir pour cette deuxième séance euh, des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Euh, alors, euh, il y a le canapé, rose et pas jaune, et je, je vois à, à vos yeux un peu inquiets qu'il manque le fils putatif d'Henri Chapier, Luc Jasinski. Euh, et il nous a fait faux bond parce qu'il a été réquisitionné par le gouvernement de Sao Paulo pour faire ces expérimentations nocturnes et urbaines. Et euh, du coup, euh, on a convoqué un intermittent du spectacle, je m'appelle Alain Faure, et je, je vais euh, le, le remplacer au, au pied levé aujourd'hui euh, pour animer cette seconde séance, cette deuxième séance après l'avenue la d'Yves Citon. On va accueillir aujourd'hui euh, Stéphane Chinklan. Qui va, qui va nous parler d'art, de culture. Euh, je peux dire très rapidement qu'il a fait ses études à Londres. Euh, il a plusieurs nationalités. Euh, il a commencé à travailler dans, dans la question de la post-consommation, l'art et la post-consommation, les déchets, les déchets nucléaires. Il a fait des expériences dans, dans différents pays, euh, Angleterre, France, Allemagne, et il va nous parler aujourd'hui euh, d'une du, belle question, euh, le monde change l'art. Et déjà juste dans la question, c'est pas l'art change le monde, comme on l'entend souvent de la part du monde culturel, mais c'est le monde change l'art. Et donc on, on va lui donner la parole pendant 30 minutes, suivi de 15 minutes de, de, de de discussion avec la salle. Merci Alain. Merci Laurent. Merci à tous d'être là. Merci pour cette invitation. Euh, J'ai donc choisi effectivement de vous parler de, de ce processus qui n'est pas euh, le flux habituel. Euh, de nos, de, nos, de nos idées reçues que l'art changerait le monde, mais que c'est plutôt le monde qui change l'art, ou bien c'est peut-être les deux, en tous les cas c'est ça qu'on va regarder. Mais pour en parler, j'ai choisi de vous parler de la démarche HQAC, haute qualité artistique et culturelle qui est un dispositif dont je suis à l'initiative. Et c'est peut-être autour de cette question de mais qu'est-ce que c'est que le HQAC, comment ça marche, où est-ce que ça se met en œuvre et pourquoi, que, pourquoi le HQAC tout simplement Ça va nous permettre de parler de cette question du rapport entre l'art et le monde, ou le monde et l'art. Alors le HQAC, c'est un dispositif pas évident à expliquer. Euh, peut-être surtout parce qu'il se situe précisément dans cette zone de, de fluctuation, voire même de, de flou, entre le monde et l'art. Euh, le HQAC est à la fois une partie du monde, c'est-à-dire quelque chose qui est un outil, qui opère dans le monde, et en même temps, c'est une œuvre. Euh, donc comment est-ce que ça existe avec un pied dans chacun de ces deux mondes euh, c'est peut-être aussi euh, difficile à, à arriver à définir ce qu'est le HQAC fondamentalement, même si ça a l'air d'être quelque chose d'assez officiel et d'assez clair. Euh, C'est parce que fondamentalement, le HQAC n'existe pas. Euh, C'est plutôt un cadre qui rend possible euh, et qui met en place, on va dire tout simplement, des conditions euh, qui sont à éprouver. Donc ça met en place une situation qui est à éprouver fondamentalement, le hqac, c'est une expérience, c'est pas une norme, c'est euh, ce qu'on va vivre à travers cette, ce dispositif. c'est aussi peut-être plus, plus, plus prosaïquement, le hqac est une négociation. c'est la négociation justement entre euh, l'art et le monde. c'est comment, est-ce qu'on arrive à créer une, une, une euh, on va appeler ça une situation, en tous les cas, des règles du jeu qui sont à la fois euh, empreinte de celle de l'art et de celle du monde. Euh, et puis finalement, ce qui fait que ce n'est pas simple à en parler non plus, c'est que euh, dans, dans sa façon d'exister, le HQAC est une recherche, une recherche-action, voire même une recherche-création euh, en cours. Donc c'est quelque chose qui est en train de se faire et qui est en train de se faire justement pour avancer dans cette question, mais, mais qu'est-ce que c'est que le HQAC et c'est peut-être ça euh, où je veux, je veux en venir, c'est euh, le HQAC ressemble à une norme, à quelque chose qui existe, euh, est une œuvre en cours, mais c'est surtout un dispositif pour se poser un ensemble de questions à travers des pratiques euh, à, à la jonction de l'art et du monde. donc la façon dont j'aimerais vous en parler et je crois que ça va être le plus simple, c'est de prendre des exemples. Le, le, le hqac a quand même le mérite, même si on ne sait pas exactement ce que c'est, le mérite d'exister. donc on peut s'appuyer sur ce qu'il rend possible ou le genre de projets qui euh, se sont construits euh, grâce à ce dispositif. mais peut-être pour replacer comment est-ce qu'il est apparu, revenir un tout petit peu sur euh, s'il y avait une origine à, à trouver à cette démarche HQAC. Je la situerai, c'est vraiment une, une proposition euh, du jour ou personnelle, euh, dans une recherche que j'ai conduite dans la fin, à la fin des années 90. J'étais euh, jeune artiste, enseignant et chercheur à la UAL, la University of the Arts, à Londres. Alors, ce statut d'artistes chercheurs est quelque chose d'un peu particulier, en tous les cas tel qu'il était compris à euh, l'université en Angleterre, donc l'école d'art fait partie de l'université en Angleterre, euh, c'est qu'une pratique artistique n'est peut-être pas seulement orientée vers produire une œuvre et tout le reste serait du déchet. Euh, on peut considérer qu'une pratique artistique produit autre chose que simplement de l'œuvre ou, ou, ou en se perdant ou en cherchant à produire une œuvre. Euh, produit un ensemble de by-products ou de d'épiphénomènes qui ont peut-être une valeur, peut-être un intérêt, ça peut produire peut-être de la connaissance, peut-être du prototype, peut-être de la relation, enfin tout un ensemble de choses qu'on se presse de euh, d'écarter de cette chose qui va aboutir dans le monde de l'art, l'œuvre, alors qu'en fait il y a tous ces, ces, ces phénomènes qui sont là, qui, qui sont peut-être à exploiter. En tous les cas, toujours est-il que dans le cadre de d'une de, des recherches que je conduisais, euh, il y avait cette question assez fondamentale pour, pour moi en tant qu'artiste, euh, parce que c'est ça aussi la recherche, c'est s'appuyer sur sa pratique, en tous les cas, euh, c'est comme ça qu'on la concevait à l'université. Euh, pourquoi Pourquoi est-ce que nos pratiques artistiques ont cette tendance à faire en sorte que ce que nous produisons se distingue le plus possible du reste du monde euh, L'œuvre d'art comme quelque chose de... D'exceptionnel, de, de différent du reste du monde, euh, et tout le mécanisme de production de ces œuvres euh, cherchant à nous extraire du monde. Donc l'atelier séparé du monde, le White Cube, euh, l'espace de la galerie duquel on a littéralement absorbé tout ce qui peut ressembler au monde pour faire un espèce d'espace de, euh, euh, vide dans lequel on va pouvoir placer euh, l'œuvre qui elle-même acquiert cette aura cette valeur exceptionnelle, etc. etc. Mais pourquoi Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on est entre guillemets formaté de cette façon-là Moi, évidemment inclus en tant que produit des écoles d'art par lesquelles je suis passé. Donc la question, moi, je n'avais pas les moyens d'y répondre ni en termes sociologiques, anthropologiques, historiques ou économiques. Donc j'ai répondu du point de vue de ma pratique. Et la question s'est donc formulée euh, très simplement, fondamentalement, de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi avons-nous besoin pour avoir une pratique artistique euh, riche, intéressante, stimulante, euh, etc. Euh, quels sont ces ingrédients fondamentaux Et ça a donné lieu à une sorte de théorie qui n'en est pas une, mais qui aidait à formuler les choses, qui était la théorie des trois P, place, process, people. Donc, du moment qu'il y a euh, un endroit, quelque part, euh, où il y a de la matière et de l'espace, du moment qu'il y a du processus, euh, c'est-à-dire que les choses ne sont pas statiques dans cet endroit, qu'elles bougent, qu'elles se transforment, qu'elles évoluent, euh, et pas forcément du fait de l'artisme, mais tout simplement du fait que nous sommes dans un monde en mutation. People, euh, des gens, des gens qui sont euh, comme. Euh, comme nous, vous, doués de sens, c'est-à-dire qui perçoivent le monde, qui ont des contenus intérieurs, qui sont eux aussi, euh, comme ça, un peu euh, dans une culture, bah, du moment qu'il y a ces trois ingrédients, place, process, people, en fait, on a absolument tout ce qu'il nous faut pour avoir une pratique artistique intéressante. Et ça a eu un effet, euh, cette réalisation-là, a eu un effet euh, immédiat sur ma pratique, c'est euh, de toute évidence l'atelier le White Cube et les autres euh, dispositifs dans lesquels moi j'avais l'habitude de travailler ne, ne détiennent pas le monopole de ces 3P. Peut-être même au contraire, il y, y a sans doute des situations dans le monde où ces 3P existent de façon particulièrement intéressante, dynamique, et que c'est justement là qu'il faut aller pour y développer sa pratique. Et donc, s'en est suivie une, une recherche qui était celle de trouver ces lieux. Euh, uniques ou génériques dans lesquelles on va retrouver ces trois P et, et d'y travailler. Et donc un de ces lieux ou un de ces types de, de situations, parce que ce n'est pas juste un lieu, c'est vraiment une, une situation euh, particulièrement intéressante du point de vue des trois P, était euh, la ville, la métropole, le territoire, et particulièrement la ville, la métropole, le territoire, euh, pas forcément en crise, mais en tous les cas en transformation, en cours de, de mutation et que c'est dans ce genre de situation-là qu'on va peut-être trouver absolument tout ce qu'il faut. Donc la recherche de... Euh, considérons que le monde en mutation, et en particulier la, la ville en transformation, est le lieu ressource, l'atelier, là où il faut se mettre au, au travail. Alors le problème, c'est que... Euh, c'est bien en tant qu'artiste de se dire ça, on n'a pas encore tout à fait convaincu ceux qui occupent euh, ce genre de lieu, qui travaillent, qui en ont la charge, la responsabilité, de considérer eux aussi que le chantier, la ville en transformation, etc., sont des lieux euh, adéquats, propices pour y développer des pratiques artistiques, expérimentales, etc. Et donc il y a eu tout un temps de. Euh, négociations avec urbanistes, architectes, entreprises, euh, aménageurs, euh, élus en charge de la transformation de la ville, du territoire, pour voir si on pouvait trouver un, un, un terrain d'occupation partagée de ce genre de situation. Et là c'est toujours une question de, de rencontre parce que de système à système, HQAC n'a pas rencontré euh, euh, l'ANRU et ils se sont mis d'accord pour faire un projet ensemble. Euh, C'est bien euh, Stéphane Chancland qui a rencontré Gilles Montmory, euh, qui est urbaniste à la ville d'Ivry-sur-Seine, et une discussion, une deuxième, et on se rencontre sur deux questions, deux questions ou deux, deux enjeux qui nous paraissent intéressants, mutuellement intéressants, on va dire. Euh, D'un côté, ce postulat ou cette intuition ou même cette certitude que la ville en transformation est une ressource. Et ça, en soi, c'était intéressant du point de vue de l'urbaniste qui doit plutôt gérer la ville en transformation comme un, un problème. Un problème, une série de problèmes, une série, en tous les cas, de, de moments critiques difficiles qu'il va falloir gérer dans la durée. Et là, s'opposait à cette représentation-là, cette vision de la ville en mutation comme une chance, une ressource, une opportunité, un ensemble de possibilités qui vont se déclencher quand la ville va commencer à se transformer et s'arrêter une fois que la ville euh, se sera reconstruite sur elle-même ou le territoire arrêté aménagé. Donc, un moment à saisir. Euh, donc ça, 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 ça intéressait l'urbaniste, et, et lui, ce qui l'intéressait aussi, c'était si ça se passe, si, si la ville en transformation peut devenir une ressource pour étudiants, chercheurs, artistes, designers, euh, gens qui font des expérimentations sociales et culturelles, euh, alors le fait que ces pratiques-là existent sur ce territoire euh, pourrait potentiellement devenir une ressource pour la, la ville et non pas simplement euh, une charge en plus. Euh, et si oui, comment, etc. Donc, donc ces questions-là ne sont pas juste des questions intellectuelles, c'est mais, mais est-ce que c'est -ce est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça ne marchera pas euh, Et on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait le faire pour pouvoir euh, voir ce que ça pouvait donner. La question du euh, le faire a tout de suite posé la question de mais qui va porter ça, qui va accepter ça, qui est-ce que... L'urbanisme peut porter une démarche culturelle Est-ce que la culture peut comme ça se mettre au travail à l'extérieur de ces institutions sur la durée, en plein dans la réalité d'une mutation du monde euh, Bon, ces, ces questions-là euh, nous dépassaient. Et donc, on a été voir les élus en leur disant euh, Messieurs, Mesdames les élus, euh, nous avons une proposition c'est celle d'intégrer une démarche artistique, culturelle, expérimentale, à une situation de ville en transformation. Euh, on aimerait que vous donniez votre aval pour que nous nous lancions dans, dans un projet comme celui-là, qui est forcément un projet de ville. Et ce projet-là a besoin d'être porté par un cadre, euh, sinon on n'arrivera pas à le porter juste à titre personnel, euh, voilà, ceci ou cela nous intéresse. Donc on a créé cette démarche HQAC, sans savoir trop ce que c'était, haute qualité artistique et culturelle, c'est quelque chose qui parlait le langage de l'urbaniste, du promoteur, de, de l'aménageur, donc ces personnes qui ont en charge plutôt la, la mutation de la ville et du territoire, quand on venait avec un langage qui était celui de, de l'artiste et de la culture, euh, voilà, on va essayer, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais peut-être... Tout le monde nous disait bon quand vous aurez réfléchi vous reviendrez nous voir et vous nous direz un peu plus concrètement ce que vous allez faire. Donc là l'idée là, était celle de se dire on va, on va prendre un, un, un langage qui parle. Le, le HQE existe haute qualité environnementale. Moi ce qui m'intéressait dans le HQE c'est le fait qu'on est dans une démarche Ce n'est pas juste une norme un iso, enfin quelque chose de très réglementé. À l'origine c'était on va euh, profiter du fait que la ville est en transformation, qu'on construit la ville pour expérimenter quelque chose, c'est-à-dire pour se lancer dans une démarche qui produira au fur et à mesure ses résultats. La seule chose qu'on savait, c'était que cette démarche se situait à peu près à l'endroit d'une jonction hypothétique entre des enjeux artistiques et culturels, des enjeux qui sont ceux de la ville, du territoire, euh, et des enjeux qu'on a appelés du développement durable. Ce qu'on voulait dire par là, c'est que nous sommes dans un monde en mutation. Et ça, ça change quand même la donne, euh, et que quelque part, on veut se situer dans des projets qui prennent en compte que euh, le monde n'est pas une chose statique, euh, et que c'est là-dedans qu'on veut travailler. Donc la chose est votée en 2007 par les élus d'Ivry-sur-Seine, qui décident d'intégrer cette démarche expérimentale à une situation très réelle, qui est une ZAC, une zone d'aménagement concerté. En gros, ça veut dire... Un gros chantier qui va durer une bonne dizaine d'années euh, à la frontière entre Paris et sa banlieue. Euh, et nous décidons de nous mettre tout de suite au travail avec un projet-programme qui va évoluer au fur et à mesure et qui s'appelle Trans 305. Je rentre pas dans le détail de pourquoi Trans 305. Ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous présenter quelques-unes des. Des réalisations, il y a eu une vingtaine de projets qui ont été faits au cours de ces sept dernières années j'en prends quelques-uns qui peut-être nous éclaireront sur qu'est-ce que c'est que la nature de, de cette démarche rapidement un premier projet qui a été celui de euh, un aménageur quand il euh, va démarrer son programme de transformation urbaine a une obligation, c'est celle d'annoncer dans Très clairement dans l'espace public, qu'il est aménageur. Donc un panneau d'annonce de création de la ZAC et qu'il y a un aménageur, etc. Et la proposition a été de dire ce, ce panneau qui rend manifeste le fait qu'une transformation encore invisible aujourd'hui va avoir lieu dans les dix années à venir euh, était aussi l'occasion de rendre manifeste que nous aussi nous étions au travail ici dans le cadre de cette démarche. Euh, et ce que je voulais saisir, c'était ce premier moment. Le tout premier moment d'une transformation qui va durer dix ans. Et on s'est rendu compte que le tout premier moment, l'acte fondateur, c'est un trou. C'est le trou qu'on creuse pour mettre les fondations du panneau qui va annoncer qu'ici, pendant dix ans, les choses vont évoluer. Et donc, euh, immortaliser ce trou, euh, en faire un moulage en résine, en garder une trace, patrimoine. Euh, et puis transformer cette trace, l'amener dans les ateliers de la régie de la ville d'Ivry pour qu'il nous consolide cette chose. Un étudiant en stage qui euh, se lance dans une sculpture versaillaise, euh, et euh, le tout euh, érigé en tant que... Voilà, euh, ici on va rendre visibles des choses qui sont habituellement invisibles. Ici les fondamentaux de la mutation euh, ont une dimension plastique et on veut leur donner cette valeur là ici nous sommes au travail euh, le, le site sur lequel a été réalisé ce panneau est devenu notre atelier pendant deux mois avec sept étudiants de l'école des beaux arts et donc on, on y a travaillé tous les jours avec les entreprises qui étaient présentes etc et il y a eu un moment intéressant qui était celui de une fois qu'on a fait le panneau avec euh, la régie de la ville, une entreprise, des gens qui étaient sur place, qui nous ont donné un coup de main, etc. On a décidé d'inaugurer ces panneaux en invitant finalement tous ceux qu'on avait rencontrés, qui, 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 qui beaucoup sont venus. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont venues et on a vu qu'il y avait une vraie mixité dans ces gens qui sont là le maire, l'élu à l'urbanisme, à la culture, les gens du centre d'art, les ouvriers du BTP qui nous avaient aidés, les étudiants, etc., etc et euh, ça nous a fait réaliser que le fait d'avoir produit cette chose euh, panneau œuvres, euh, manifeste, on ne sait pas encore exactement, euh, avait aussi produit cette autre chose qui était un réseau, un réseau de gens qui s'étaient construits parce qu'on s'était mis au travail ici pendant deux mois et que peut-être l'un était aussi important que l'autre ou aussi précieux dans cette démarche. en tous les cas, ce qu'on s'est dit, c'est on ne sait pas encore ce que c'est que la démarche HQAC, mais de cette façon de travailler, d'utiliser le moteur d'une recherche-création était une façon intéressante de s'inscrire très concrètement dans une mutation et qu'on allait continuer de cette façon-là. Nous étions dans une friche où les choses étaient relativement tranquilles et calmes, on était à peu près seuls. Euh, quelques mois plus tard, voilà à quoi ressemblait exactement ce même euh, site. On voit en background euh, ici toujours notre panneau, il, il est là, hein, et il est resté là. Maintenant, il est à côté d'un grand trou qu'on ne peut pas mouler euh, à la main. <laughs> et donc, la question se posait co comment faire pour continuer à être dans cette façon d'être nous euh, artistes, chercheurs, étudiants euh, dans une attitude expérimentale au travail dans cette situation nouvelle qui est autrement plus plus contraignante. Et donc je, veux, je, je vais vous présenter trois projets qui ont fait qu'on a euh, réussi à continuer à euh, ne pas faire semblant de travailler, mais bien être euh, nous aussi dans un dans un travail euh, euh, dans cette situation. Et, et donc l'idée ici était de se dire pour que ce chantier, ce gros chantier à quel, au côté duquel on se trouve, c'est l'annexe du ministère des Finances qui est en train d'être construite là. C'est bon, 35 000 m2 de bureaux, 2 000 futurs employés, Paul Chemetov, architecte, euh, très contraint en milieu urbain. Comment faire pour que cette situation soit notre atelier ben, Il faut qu'on construise notre boîte à outils dans cette situation pour que nous aussi on puisse y être au travail. Donc ça a été le, la proposition, réquisitionner un espace de 150 mètres carrés pour y construire à minima notre outil de travail et nous mettre au travail. Donc nous, nous, nous faisons un micro-chantier à l'intérieur du chantier. Euh, les ouvriers de l'entreprise de travaux de, de BTP qui construit à côté nous ont coulé en béton, les grues nous ont monté ces conteneurs qui vont devenir nos, nos ateliers, bureaux, cuisines, etc. Euh, avec un groupe d'étudiants et de jeunes architectes berlinois, on construit donc l'atelier Trans 305 qui est fait avec tout un ensemble de matériaux issus du chantier, donc des palissades de chantier, euh, des conteneurs maritimes, des échafaudages, etc. Et donc ça, ça va être pendant 18 mois notre lieu de travail. C'est à la fois une sculpture monumentale d'un autre genre, euh, c'est une, un, une terrasse, un belvédère sur les chantiers alentours. Et puis c'est un lieu de travail, on arrive même à le catégoriser en ERP, établissement recevant du public. Donc c'est une espèce de cheval de Troie dans lequel une quarantaine de groupes, alors écoles élémentaires, étudiants en architecture, étudiants en école d'art, master d'urbanisme, jeunes collectifs d'architectes, etc., etc., sont les usagers de cet objet. Ici, on est sur, la, sur le, la terrasse belvédère depuis laquelle on peut contempler le, le monde en mutation. Et puis en bas, il y a cet atelier à ciel ouvert dans lequel on est au travail. Donc, s'y passe tout un ensemble de choses. Et à nouveau, avec cet atelier, on a vu que ce n'est pas juste une sculpture statique ou un belvédère, c'est que c'est vraiment l'endroit qui a euh, créé un réseau. Euh, qui croisent à nouveau riverains, universitaires, professionnels de la transformation urbaine, artistes, qui vont se retrouver régulièrement sur différents projets dans un lieu comme ça. Euh, je ne vous en dis pas plus, il y a un web documentaire qui, qui, qui va sortir prochainement, View 305, je pense qu'il va être hébergé par euh, Métropolitique qui doit lancer la chose dans pas longtemps. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est au milieu d'un chantier, donc une situation par essence. Temporaire. L'atelier va être démonté, elle est sur un futur espace public, mais tout a été conçu pour qu'effectivement, il puisse être démonté et remonter ici 300 mètres plus loin, un peu plus loin sur cette même ZAC, dans une forme différente et avec un usage différent euh, qu'on a imaginé avec un nouveau groupe de travail euh, dans cette nouvelle situation. Deuxième série de projets plateau d'été plateau d'été a eu lieu euh, c'est un peu comme une euh, pas un festival mais c'est une, 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 un moment où on cherche à rendre visible public à la fois le monde en mutation tel que ça se passe dans un chantier mais aussi nous au travail qui sommes aussi quelque part euh, en cours, en processus. Donc on a formalisé ça sous la forme de, de plateau d'été. Alors plateau d'été parce que euh, on est sur la ZAC du plateau, la zone d'aménagement concerté du plateau. Et donc plateau d'été euh, fonctionne sur un système assez simple. C'est la situation du chantier. On est sur un chantier euh, de 400 logements ici. Euh, et on va les suivre de zéro jusqu'à livraison. Donc on est là dès les moments des démolitions. On va être là pendant tout le temps où sont creusés, euh, enfin renfloués des carrières. C'est un chantier compliqué. Il y a des carrières en dessous, où il faut injecter avec du béton, les sous-sols, toute la construction, immeuble à 12 étages, et puis euh, livraison de ces appartements, espaces publics. On sera présent pendant toute cette durée de trois ans. Donc la première année, on est là, les démolitions viennent d'avoir lieu, et on va en fait à chaque fois se nourrir, considérer que ce qui existe, c'est notre ressource pour les projets qu'on va faire pendant plateau d'été. Euh, pardon, j'étais un peu vite, mais donc on est sous une forme de workshop. Il y a une quarantaine d'habitants, riverains, étudiants qui sont là. On a choisi cette première année de réaliser au milieu de ce chantier une maquette au 25 e du quartier tel qu'il existe et tout ce qui va y être construit pour se donner une, une représentation de ce que va être cette, ce morceau de ville, mais aussi tout simplement pour être au milieu de cette zone. Fraîchement, euh, totalement euh, rasé, défriché, qui est quand même une expérience spatiale, paysagère assez incroyable. Et donc on est assez rigoureux. Hein, on, on reproduit à échelle 25 e les, les différents bâtiments. Donc vous avez la version euh, real et la version euh, fabriquée euh, maison avec euh, technique de coffrage, coulage, gabion en utilisant tous les matériaux issus des démolitions et les terres excavées. Ici, c'est pour la nuit blanche, donc un mapping euh, 3D vidéo qui est fait dessus. Différents événements publics ont lieu sous prétexte que nous sommes au travail on invite d'autres gens à venir travailler avec nous, ce qui nous permet de. Et on, on avance de cette façon-là. Ici, un concert avec 70 musiciens qui ont choisi de venir répéter et faire un concert pour nous, travailleurs, ici. Il y a eu d'autres versions. Donc, ce, ce, ce processus a été répété à chaque fois au mois de juin 2012, 2013, 2014. Et à chaque fois, on est dans un paysage radicalement différent, ce qui permet à, à nous et à ceux qui nous rejoignent de, de vivre vraiment qu'est-ce que c'est qu'une une situation de mutation donc je ne vous détaille pas les, les projets ici. Le dernier en date, donc euh, juin dernier, juillet dernier, s'appelait Superplace. Euh, et le film de Superplace vient de sortir, il est en ligne sur trans305.org. Je ne vous le diffuse pas. 13 minutes de film, ce n'est pas très long. Alors une, une question qui revient souvent, c'est la question de, euh, d'accord, euh, mais, mais quel finalement, qu'est-ce qui reste quelles sont les traces Tout ça est éphémère, toutes ces installations viennent et partent, les gens viennent et partent aussi. Euh, qu'est-ce qui demeure euh, Le bilan, l'évaluation, finalement, est-ce que ça change la ville ou pas Est-ce que ça change la vie ou pas bon, Un ensemble de questions qui nous dépassent très largement, pour lesquelles j'ai fait appel au CNRS pour venir nous regarder et, et, et nous dire un peu plus qu'est-ce qu'il en était. Donc, un livre va sortir dans pas très longtemps. Un euh, chercheur du labo Lavu, Stéphane Tonla, qui nous a suivis pendant deux ans euh, dans le cadre d'un programme PIRV euh, pour, pour, pour justement essayer de comprendre un petit peu mieux. Alors, lui, le, le point de vue qu'il a pris, c'est euh, finalement comment le fait de passer par Trans305 euh, nous formatait et nous euh, reformatait quelque part, en tous les cas nous formait à quelque chose. Et sa question était nous formait à quoi je pense que sa réponse est de. Ça nous forme à peut-être rentrer mieux dans qu'est-ce que c'est qu'un processus. Notion complexe. Je veux vous parler de marbre d'ici, qui est un autre projet qu'on a fait. Euh, le marbre d'ici est une nouvelle matière première produite localement avec des gravats inertes transformés en un matériau noble. Ça, c'est le résumé dans un ouvrage qui vient de sortir qui accompagne une exposition au pavillon de l'Arsenal, qui s'appelle Matière Grise, justement sur toutes ces questions du recyclage, réemploi, euh, réusage. Alors, en 2008, euh, dès les premières démolitions, j'ai travaillé avec, avec le démolisseur. Ça faisait partie de cette convention euh, HQAC. Chaque fois qu'il démolissait un bâtiment, je lui demandais de mettre de côté quelques mètres cubes qu'on a ajust... enfin, arrangés comme ça dans des gabions qui nous ont servi à faire la façade de l'atelier, Trans 305, vous voulez... Vous les voyez ici, hein, ils font la façade, mais ils font aussi tout l'intérieur, on ne le voit pas. Euh, L'architecte, l'ingénieur du bâtiment qui est construit à côté nous a demandé de lester la structure avec 40 tonnes, donc on a utilisé les matériaux qui étaient sur place. Mais, mais ça a aussi constitué ces, ces mêmes matériaux, était la façade, mais était aussi le, le, notre ressource pour un ensemble de, de projets qu'on faisait, et dont notamment un qui s'appelle marne Dici. La question était comment est-ce que cette chose qui ne vaut rien, qui est le gravat, le déchet, euh, puisse potentiellement, à travers un processus, réintégrer la, la ville qu'il avait quittée euh, avec sa démolition et, et faire partie de ce, de ce nouveau quartier. Et donc, avec un groupe d'architectes, euh, Rome Architect, on a élaboré ce projet qui s'appelle Marbre d'ici. Le marbre d'ici consiste à concasser ces gravats, trier. Euh, à les mélanger avec du béton. Ici, Monsieur le maire, coule le premier seau de marbre d'ici dans le futur espace public. Et nous euh, euh, avons tout simplement remplacé avec ce gravat transformé une partie de cette matière qui normalement devait être là, qui était le granit qui vient des Vosges, donc on est dans cette histoire de circuit court, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, au-delà de cette production d'une matière recyclée, noble, etc. On a euh, du coup créé toute une petite euh, usine. Ici, vous la voyez installée au pied, euh, au milieu d'un chantier, dans les rez de chaussée encore vacants. On va du tas de gravats à la production de, de dalles en marbre d'ici, qui vont être les futurs... Euh, ingrédients d'un espace public. Euh, donc littéralement, on est en train de produire de l'espace public et aussi tout le réseau social qui se construit autour de ça au moment de, du chantier. Ce qui, ce qui se passe d'intéressant là, et j'arrête là-dessus, c'est qu'on est, est peut-être au cœur d'un des éléments de la démarche HQAC qui est de se dire euh, fondamentalement ce qu'on essaye de faire, c'est de créer au milieu un environnement extrêmement contraint physiquement, interdit au public, etc. Plein de règles, plein de normes. Une zone euh, dénormée, où on va pouvoir euh, expérimenter avec, dans le réel dans lequel on est, sans s'en extraire, mais au milieu de ce réel, expérimenter des choses qu'on ne peut pas faire quand on est obligé de travailler dans les règles de l'art. Et le marbre d'ici fait précisément ça, c'est que pour pouvoir exister dans l'espace public, tout le monde nous dit attention décennale, attention, euh, tout le monde ne peut pas mettre en œuvre ce matériau-là. On est bah, bah, très bien. L'œuvre d'art ici sera la décision qu'une zone de cet espace public soit dénormée pour qu'on puisse y mettre en œuvre ce matériau. Et, et, et c'est peut-être ça une des fonctions importantes dans l'esprit de l'art, c'est pas tellement de produire des objets. D'art dans l'espace public, mais de créer des conditions de l'expérimentation dans, dans le monde. Je remercie bien sûr Stéphane parce que je trouve que cette façon de nous, nous faire entrer tout en... J'ai dit, il y a une slow attitude qui me plaît dans cette façon de dire, on ne va pas vous démontrer des grandes choses, on va vous montrer des nouvelles façons de faire des pratiques en, en milieu urbain. Et moi, je pense que ça fait complètement écho à des événements qu'on vit hein, à Hong Kong en ce moment ou dans les grandes villes où il y a un, un rapport à la décision collective qu'il faut réinventer et il me semble que c'est une forme parmi d'autres. Je me permets un petit mot, euh, pas pratique, mais pour vous dire, la prochaine séance, 16 décembre, ceci n'est pas une une ouverture absolument passionnante sur une nouvelle discipline, les humanités numériques, où on va continuer à se, se balader dans ces sciences sociales euh, qui nous posent des belles questions. Et enfin, je vous propose qu'on se retrouve autour d'un buffet après avoir applaudi chaleureusement Stéphane.